fallait pour pas tout feu tout flamme à l'expo Dubaï 2020. C'est juste énorme, c'est juste magnifique que la RDC soit représentée à travers cet artiste qui ne fait que nous émerveiller à travers ses chansons, à travers ses albums, à travers ses danses surtout. Eh ben, écoutez, je ne dirais pas grand-chose hein, de cette prestation, combien même ça s'est fut, quelques minutes, mais quelques minutes de bonheur. Hein, les Africains qui se sont retrouvés là ont pu se régaler comme il se doit, avec quelques extraits également, un medley de Tokos de Gold. Donc voilà, moi je suis très content que l'artiste ait été choisi pour représenter la République démocratique du Congo et pas seulement, ainsi que sa musique surtout. Donc voilà, je suis très content, alors très heureux également du fait que le King, l'aigle, a survolé cela. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Family, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que moi, je ne cesse de le répéter carrément. C'est le plus grand actuellement. Quand bien même certains sous-estiment sa valeur, ne veulent pas reconnaître sa valeur, mais c'est le plus grand en ces moments. Dans presque tous les A20, il est toujours invité, il est sollicité pour nous présenter son monde Tokos, pour nous présenter de prestations à la hauteur carrément hein, des attentes du public. C'est juste énorme. Et ben, le bon bout de chemin de l'album se comporte très bien sur le marché. Déjà, cette réédition impeccable. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en tout cas de mon côté, je sens et je vois hein, que un disque d'or, des singles d'or sont en vue carrément. Voilà, d'être décroché par le King, par l'aigle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire family, parce que là, depuis un certain temps, voilà quoi, il y a des polémiques à déballe surtout, mais je vous laisse les libres droits en commentaire. Je vous rejoins. Ciao, ciao.